Le premier titre, le tennis, bien entendu. On revient sur l'événement majeur de ce week-end. Il s'agit de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Après 16 ans d'attente, les Bleus ont donc enfin reporté ce fameux saladier d'argent à Villeneuve-d'Ascq au stade Pierre-Mauroy. C'est la 10e victoire française dans la compétition. Et c'est d'ailleurs un nordiste qui a apporté le point de la victoire après la défaite de Joe Wilfried Tsonga en début d'après-midi dimanche face au numéro 1 belge David Goffin. Luc Apouille, que vous voyez sur ces images, est originaire de Lonne-Plage. Il a été formé dans la région. Il a très nettement dominé Steve Darcy et libéré l'équipe de France grâce à sa performance. Yannick Noah, l'entraîneur de cette équipe de France, justement, de ses tricolores, est revenu sur cette finale, on peut le dire, historique. On n'a pas, comme l'équipe adverse, un gars extraordinaire. David a été extraordinaire, Goffin. Mais nous, on a une équipe, quoi. Et voilà, 4 points. On gagne 3 points avec 4 joueurs. Formidable. Tout le monde a amené sa pierre et même les remplaçants. Donc, ouais, c'est une belle victoire d'équipe. J'aime bien ça.